En mars 1992, la NASA m'a sélectionné comme astronaute scientifique pour participer à une mission de la navette spatiale Atlantis, la mission Atlas. Et cette mission avait pour but d'étudier l'interaction entre le Soleil et la Terre, et plus spécifiquement donc de mesurer l'atmosphère même et les composants qui joue un rôle important pour le chauffement de la Terre. Et c'est quand même un problème qui est toujours très actuel. Étant un astronaute, je sais que les voyages dans l'espace et l'astronomie sont fascinants pour les jeunes. Et quand Jean-Pierre Grothartz m'a demandé de parrainer son projet « Les étoiles brillent pour tout le monde », j'ai tout de suite accepté parce que je pense que c'est important pour les jeunes qu'ils ont l'occasion de voir, de regarder le ciel et toutes les beautés du ciel et en même temps aussi profiter de l'occasion pour apprendre plus sur les principes de base de l'astronomie et du spatial qui sont très fascinants.